armes dans vos placards. Hein? Un mec ou une nana qu'un soir t'as couché à lui avec et le lendemain tu dis qu'elle sait que c'était hors casting. Au placard. Au placard, au placard. Et ben quand t'as de l'humour, t'es pas mal foutu, t'es pété de thunes, t'emballes. Et ça, ça marche à toutes les époques. Alors, il était une fois. Ça, c'est fait. J'adore Barbe Bleue. On a raconté que des conneries sur lui, ça va être très bien. Mais je voudrais bien lui enrouler une petite. La Blanche-Neige. La Cendrillon. Oh, écoutez, elles se font toujours avoir exploitées. Vous trouvez que c'est un modèle pour nos jeunes filles, ça? Puis ça n'a pas de santé. Ça tombe dans les pommes. Pour rien. Mais pour s'en sortir, il faut qu'il y ait une espèce de prince charmant qui vient aussi lui enrouler une petite. Bon, et alors là, j'arrive, je vois toilette publique, j'arrive, je tombe sur une mannequin chez Dior. Bonjour madame, les ladies, c'est à droite. Ça me plaît pas, moi. Et puis attention, la prestation 1,50€. Vous rendez compte? Payer 1,50€ ce qu'on payait 20 centimes avant, pour produire exactement la même chose. Je poursuis l'œuvre de Prout. Vous connaissez la Madeleine de Prout? Le soir, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, mais ce monsieur n'est pas venu, il est peut-être mort. Ça m'a fait quelque chose. Ça vous passionne. Mais je sais bien que ce sont des besoins qu'il ne suffit pas de ne pas payer pour les avoir. C'est profond. Vous êtes capable de réagir aux horreurs de ce monde? À vous. Bienvenue au musée des horreurs. Le musée des horreurs. Donc papa ou t'es une gouvernante en pleine action. Non. Ah, 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 les horreurs, un papa les maudit, où s'accouple ma fleur, ta mort la truie. Ah, Marie-Chantal. Alors toujours... intermitteuse. Dis non, tente. Alors, ben dis donc, toi, t'as de l'espoir. Tu t'accroches. Ah, dis donc, mais dis donc, si t'avais dû être célèbre, il y a longtemps que ça serait bien. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ah, t'as la foi. Le talent, je sais pas, mais la foi. Il y a bien quelque chose quand même. Oh la salope! Oh là, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Hein? Puis on s'est dit quand même, on va faire notre PA, on va aller voir Marie-Chantal. On a décidé d'aller avec les Duflo. Alors je regrette de te dire que les Duflo n'aiment pas du tout ce que tu fais. Alors du coup, on est allé voir du vrai théâtre, on est allé voir du Fédo. Tout le monde au rock. Moi, je vous propose la jeunesse éternelle. Il y a bien des vieux ici, ce soir. Fais attention, hein, on va pas se casser une jambe. La jeunesse éternelle, ça t'intéresse? Ils sont beaux comme des camions. Ils ont besoin de rien, ceux-là. Bon, bah, ça va rien, je vais m'en occuper. Allez, venez, les filles. On revient. C'est bon, non, je vais la rafraîchir. On va tout de suite, on va derrière. Thank you.
raconte. Oh oui, dimanche avec Gérard, nous étions invités chez les Duflos. Eh bien, les Duflos sont d'une radinerie, vous n'imaginez pas. Alors, ils nous invitaient d'abord à un goûter, d'y avait du millefeuille. C'est d'un commun. La... quoi? La recette des huîtres? Alors ça, c'est dur, hein? De vrai chien! Impressionnant, n'est-ce pas? Petit caca Noël! Que l'ennui est un métier à plein temps. Il y a des fonctionnaires ce soir? Facile, elle me plaît. Petit sourire à peigner? Je le fais mal. J'espère. Alors, un gardien de musée au travail. Un gardien de musée en grève. C'est subtil. Ceci est une réplique, certes très lointaine, d'un engin spatial qui a été lancé en 2010 sur Mars, voilà, qui s'appelle Curiosity. Il nous a coûté une blinde. Pourquoi aller chercher de l'eau sur Mars alors qu'on sait que dans quelques décennies, on n'aura plus sur Terre et qu'il n'y aura peut-être plus de vie? Alors je me dis qu'un jour, un petit martien, tout gentil, il va nous tomber sur notre engin là-haut et il va nous le renvoyer pour savoir si un jour il y a eu de l'eau sur Terre. Il est habillé comme vous, hein. C'est-à-dire vraiment... passe partout. Et alors, elle fait ça. Qu'est-ce que c'est? Hôtesse de caisse. On a déjà dit, mais hôtesse de caisse. Grand bonnet, là. En février. Donc, je serai à poil dans ma salle de bain. À votre tour, mettre un petit peu de cul dans un titre, ça fait bien pour plus de monde. J'aurais dû faire ça tout le spectacle. Yeah.